Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont les deux futures pépites parisiennes qui arrivent cet hiver et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un petit peu le sujet, encore une fois, des pépites brésiliennes qui arrivent là du côté du PSG cet hiver. Le cas de Gabriel Moscardo, on en a bien évidemment déjà parlé sur la chaîne parce que si c'est un cas qui date d'un peu plus longtemps, donc on a abordé le sujet sur la chaîne très récemment. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va en parler vite fait, mais on va se concentrer quand même sur Lucas Beraldo. Qui lui est, on va dire, la nouvelle grosse rumeur mercato côté PSG qui devrait aussi arriver cet hiver, défenseur central avec un profil intéressant. On va en parler, bien évidemment, comme d'habitude. Petite analyse, je vais donner mon avis, vraiment petite analyse, parce que je vais commencer la vidéo direct. Je vais pas faire le mytho, comme pour Moscardo, je vous avais direct fait le disclaimer. Je ne regarde pas le championnat brésilien, je ne suis pas spécialiste du championnat brésilien, je ne connais pas le joueur, je ne l'ai jamais vu jouer, j'ai juste vu quelques compilations et quelques avis de personnes qui, normalement, sont des personnes qui, eux, regardent et eux, sont plutôt informés sur le joueur. Donc voilà, je vais donner mon avis par rapport à ce que j'ai lu et par rapport à ce que j'ai vu, mais ce n'est pas un avis on va dire, hyper fiable non plus. Faut se calmer. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, direct le petit disclaimer. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Parlons de nos deux nouvelles pépites. Donc déjà, c'est important de le rappeler qu'il y avait une info qui était sortie il y a un petit moment déjà, on va dire il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, 2-3 semaines. Donc le PSG va tenter de recruter un défenseur central lors du mercato hivernal. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ne devraient pas être opérationnels en janvier. Et c'est important de rappeler que de base, cette fameuse piste du défenseur central qui avait été annoncée du coup là par Fabrice Hawkins, Jérôme Roten, qui on le sait, bon... Des fois, on ne peut pas toujours être d'accord avec lui, mais ça reste quand même quelqu'un qui, à des moments, a des petites infos au sein du club. Lui, de base, il avait annoncé un défenseur expérimenté qui joue actuellement dans un grand club, qui est déjà en accord avec le PSG apparemment, et qui était gaucher. Donc, est-ce que, du coup, la piste qu'avait énoncé Jérôme Roten, c'était du vent, ou est-ce que c'est un bonus par rapport à Beraldo, ou est-ce que le PSG a abandonné la piste, du coup, de ce fameux défenseur gaucher expérimenté qui joue dans un grand club et on va dire, c'est dirigé vers Beraldo? Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, on ne sait toujours pas c'est qui cette fameuse piste. J'en ai vu certains qui ont fait des petites déductions, et si c'est vraiment comme annoncé et comme le disaient certains, Marcos Alonso, finalement je suis bien content que le PSG ait décidé d'aller sur Beraldo. Peut-être que ça se trouve, cette fameuse piste expliquée par Jérôme Roten n'a pas été abandonnée et que c'est juste que Beraldo est, on va dire, celui qui fait le plus de bruit, et on verra cette fameuse piste venir en plus de Beraldo cet hiver au PSG. En tout cas, le PSG est confiant pour boucler l'arrivée de Lucas Beraldo pour 20 millions plus 5 millions de bonus. Possible visite médicale la semaine prochaine. Négociation avancée également avec les Corinthians pour Gabriel Moscardo à la hauteur de 22 millions plus 3 millions de bonus. Donc voilà, Moscardo, j'en ai fait une vidéo dédiée, une vidéo où vraiment je parle juste du cas de Moscardo. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations sur Moscardo, pardon. Vite fait, pour synthétiser dans cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas voir l'autre, mon avis sur Moscardo, décidément j'y arrive pas, c'est que c'est un profil très intéressant, un profil à l'heure actuelle au milieu de terrain qu'on n'a pas au PSG, un 6 qui a cette qualité de jeu long, a un profil un petit peu longiligne, qui peut gagner du coup un petit peu des ballons de la tête que pour le moment on n'a pas, un mec qui est quand même plus porté sur le défensif, un petit peu à l'instar d'un Ugarte, mais par rapport à un Ugarte qui a plus ce côté plateforme, on va dire, ce côté mec qui va pas non plus aller chasser tout le temps, parce que Ugarte, il a vraiment ce truc de gros volume de jeu, je cours partout, je vais chasser, je vais presser tout le temps, alors que Moscardo, c'est un petit peu plus une tour de contrôle qui peut rester devant la défense. Donc le profil est intéressant, même s'il peut aussi se projeter, bien évidemment, et il a aussi une bonne qualité de dribble, une bonne qualité de passe. Donc le profil intéressant et tout, rien à dire là-dessus, mais ce que je vous expliquais dans la vidéo sur Moscardo,
c'est qu'à l'heure actuelle, dans le milieu de terrain du PSG, si tu prends ton 11, ton milieu de terrain titulaire, c'est Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery. Et le souci, c'est que déjà, ces trois joueurs-là, pour moi, quand tu les prends et à l'heure actuelle, ça reste encore des paris. Et là, pour renforcer ton milieu de terrain, qui est déjà composé de trois joueurs sur qui tu as fait des paris, tu vas le renforcer avec un autre pari. Donc en fait, finalement, faut pas faire le jeu de mots avec. Voilà. Mais finalement, tu n'as aucune certitude dans ce milieu de terrain-là. Et moi, j'expliquais que voilà, Moscardo, ça a l'air d'être intéressant et tout, profil voilà qui était suivi par Liverpool et tout, donc pourquoi pas. Mais que moi, j'aurais bien aimé des certitudes. J'aurais bien aimé qu'on aille chercher une petite certitude au milieu de terrain. Je sais pas, je dis des noms au hasard un petit peu à la volée, mais voilà, un Casemiro, même si c'est peut-être pas possible et qu'à l'heure actuelle, il est peut-être un peu moins bon. Vous voyez, dans l'idée, un mec, on va dire, un peu expérimenté, tu vois, à l'ancienne, un peu un Brozovic, un truc comme ça, un Fabinho, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé qu'on essaye d'aller chercher un milieu de terrain avec un petit peu plus de tu vois, déjà un profil un peu 6 sentinelles et avec un peu d'expérience pour pouvoir vraiment bien sécuriser ce milieu de terrain, apporter un petit peu d'XP, ça fait pas de mal non plus, même si le milieu de terrain actuel. Honnêtement, on l'a vu, ça passe quand même, même si en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué à des moments, on va dire, sur la globalité, et en Ligue 1, ça passe quand même pas mal. Donc, Moscardo intéressant, mais le problème, c'est que un énième pari au milieu des paris, et Beraldo, bah, c'est un petit peu pareil. Et même Beraldo, je vais le dire, et peut-être que je vais inquiéter certains Parisiens, mais le profil, déjà, m'intéresse un petit peu moins. Alors Beraldo, vite fait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être un profil intéressant. Ça a l'air d'être un défenseur central qui déjà fait un peu marquant et à lui mettre dans son crédit. Il est très jeune, il a 20 ans et il a déjà eu énormément de temps de jeu du côté du championnat brésilien. C'est un défenseur central qui est comparé au Brésil. Alors c'est pareil, tu vois, Moscardo, il était comparé à Casemiro. Là, Beraldo, il est comparé à Thiago Silva. Donc bon. Prenez ça avec des grosses pincettes parce que de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être quand même très différent. Et puis, faut pas non plus trop s'emballer quoi. Donc, Beraldo, défenseur central gaucher. Donc ça, déjà, c'est intéressant parce qu'on le sait du coup, Kimpembe qu'on n'aura pas cette saison, ça nous fera du coup une rotation Lucas Hernandez, Beraldo quand Nuno Mendes reviendra pour ce poste de défenseur central. D'ailleurs, Beraldo qui peut aussi dépanner latéral gauche, mais on va le voir, il a quand même une grosse lacune qui est la vitesse. Donc en latéral gauche, ça me paraît quand même assez compliqué. Il a une bonne qualité de pied à la relance, etc. pour les passes et tout. J'ai vu, il a pas mal de statistiques où niveau passe, il fait partie des tops dans son championnat. Très bonne anticipation. Ces deux gros défauts en fait, et moi qui m'inquiète parce que c'est des défauts qu'on a déjà à l'heure actuelle dans la défense centrale. Donc même en termes de profil, finalement, il viendrait même pas renforcer l'équipe. Tu vois, par exemple, un Moscardo, on n'a pas ce profil-là dans l'équipe. Donc, même s'il a ce côté manque d'expérience et un énième pari, au moins dans le profil, tu peux te dire, ça peut être un truc un peu différent qu'il peut apporter à l'équipe. Le souci de Beraldo, c'est que, ok, il a une qualité au pied que peut-être à l'heure actuelle dans l'équipe, à part Marquinhos, le reste de nos centraux n'ont peut-être pas. C'est peut-être des centraux un petit peu plus, on va dire, classiques du terme. Mais le souci, c'est que ces deux gros défauts, bah, c'est les deux gros défauts qu'ont Danilo et Skriniar, c'est la vitesse. Et en plus d'avoir le défaut de vitesse comme Danilo et Skriniar, il a un défaut que eux n'ont pas. Encore que Skriniar, il l'a un petit peu, mais normalement, il l'a pas. C'est qu'il a un jeu de tête très très moyen parce qu'il n'est pas hyper grand. Déjà, niveau taille de ce que j'ai vu. En fonction des sites, déjà la taille n'est pas la même, mais grosso modo, il fait à peu près entre 1,82 et 1,86. Donc on va arrondir à 1,84-1,85. Donc grosso modo, il fait à peu près la même taille que Marquinhos. Sauf que le problème, c'est que par rapport à un Marquinhos qui lui est un peu petit, mais a quand même un jeu de tête, on va dire, acceptable, lui, le jeu de tête, c'est vraiment l'un de ses gros défauts. Et tu corrèles ça à une vitesse vraiment très très faible, et bah dans le jeu de Luis Enrique où on va chercher haut et très souvent on joue à la ligne médiane, je vois déjà les flashbacks du Vietnam où on va voir des Moses Simon, je sais pas moi, de ce style de joueur-là, mettre des accélérations à notre défense qui va être composée de Beraldo et Skriniar ou Beraldo Danilo, parce que peut-être qu'à un moment ça fera tourner avec Marquinhos, et qu'en fait Beraldo, il a un profil intéressant. Il peut,
oui, apporter quelque chose à ce PSG, mais en fait, il faut absolument qu'il soit aligné avec Marquinhos. Et en fait, le souci, c'est que Skriniar, il faut absolument qu'il soit aligné avec Marquinhos, et Danilo, il faut absolument qu'il soit aligné avec Marquinhos, parce que les trois ont ces défauts-là de vitesse dans le jeu de Luis Enrique qui est très impactant. Bon, en tout cas, Lucas Beraldo avait recalé le Zenit et Leicester pour signer à Paris, nous apprend le média brésilien Globo Esporte. Le Brésilien est pressenti pour devenir un nouveau joueur du club de la capitale cet hiver. Ça fait plaisir. On le sait, je l'avais dit pour Moscardo, quand un joueur refuse d'autres clubs pour choisir le tien, ça donne un petit truc en plus pour la tâche. Le PSG a un accord avec Gabriel Moscardo. Le club parisien va s'entretenir avec les Corinthians cette semaine pour parvenir à un accord. Le transfert devrait être de 25 millions. Donc, comme on l'a vu juste avant, 22 millions plus 3 millions de bonus. Donc, ça fait plaisir. Normalement, les deux vont arriver dès cet hiver. Gabriel Moscardo va signer au PSG. Le président des Corinthians confirme son départ. Sa tête est déjà ailleurs. Nous lui avons donné toute la liberté de choisir. Qu'il soit heureux, il se dirige vers cela, une vente au PSG. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. Je vous ai donné un petit peu mes avis sur Moscardo, encore une fois, même si je l'avais déjà fait dans une vidéo, et surtout sur Beraldo. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.